Bienvenue à l'unité 5. Utilisation d'un langage sensible au genre. À la fin de cette unité, vous devriez être en mesure de décrire comment les préjugés sexistes se manifestent dans les croyances, les attitudes, le langage et les comportements. Utiliser un langage approprié tenant compte du genre dans les interactions en classe. Savoir comment fournir un retour constructif à tous les apprenants. Le langage est l'un des outils les plus puissants pour définir et renforcer les relations entre les sexes. Il peut être utilisé pour promouvoir l'inclusion et la sensibilisation aux questions de genre ou pour renforcer les préjugés et les stéréotypes liés au genre. Le langage utilisé par les enseignants constitue un modèle important pour les apprenants et l'ensemble de la communauté. Les enseignants, comme tous les autres humains, sont susceptibles d'avoir des préjugés sexistes en raison de leur socialisation, de leur éducation et de leur expérience. Leur langage, tant verbal que non verbal, peut refléter des présupposés inconscients sur les rôles des hommes et des femmes. Dans la communication verbale, par exemple, les enseignants peuvent décourager les filles de suivre des cours de sciences en leur disant que ces matières sont réservées aux garçons ou sont trop difficiles pour les filles. Si un apprenant garçon pleure ou exprime des émotions vulnérables, un enseignant peut lui dire d'arrêter de se comporter comme une fille. La communication non-verbale peut consister à rouler les yeux, à hausser les sourcils ou à sourire à une réponse ou une question qu'une fille pourrait partager, ce qui peut communiquer la différence, l'indifférence ou le jugement de l'enseignant. D'autres gestes ou le langage corporel, tels que les clins d'œil, les attouchements, les frôlements, les saisies et d'autres mouvements physiques peuvent être secrètement ou ouvertement sexuels et créer un manque de sécurité pour les apprenants. Il est important pour les enseignants d'examiner leur utilisation du langage afin d'éliminer les choix qui réduisent les autres au silence, aux stéréotypes ou aux contraintes. Les enseignants peuvent également poser des questions critiques et fournir de nouveaux cadres qui remettent en question les normes culturelles existantes. Mais pour ce faire, il est important de comprendre d'abord les préjugés que chacun d'entre nous porte, consciemment ou inconsciemment. Que voyez-vous sur la diapositive? Pouvez-vous donner un ou deux exemples de biais implicites? Tout le monde a des préjugés implicites dans une certaine mesure. Les préjugés implicites font référence aux croyances, attitudes ou stéréotypes sous-jacents qui affectent notre compréhension, nos actions et nos décisions de manière inconsciente. Ils sont implicites parce que nous ne sommes pas conscients de les avoir. Ils façonnent la façon dont nous voyons le monde et dont nous voyons les autres. Prenez un moment pour lire cette diapositive en silence. Qu'avez-vous lu? Bien que nous puissions voir que le mot « le » est écrit deux fois, notre cerveau est capable de faire des raccourcis pour donner un sens à la phrase. Notre cerveau fait des raccourcis comme celui-ci tous les jours. Ce sont les mêmes automatismes qui expliquent les biais ou stéréotypes inconscients. Nous recevons 11 millions de bits d'informations sensorielles à chaque instant. Nous ne pouvons traiter consciemment qu'environ 40 d'entre elles.
Notre cerveau prend donc des raccourcis. Tout au long de notre vie, nous nous forgeons des idées, des suppositions et des associations sur des groupes de personnes en nous exposant aux messages que nous recevons dans nos familles, dans nos communautés, dans notre culture, dans nos écoles, dans nos religions, dans nos gouvernements et des médias. Ces messages se présentent souvent sous la forme de stéréotypes qui représentent souvent les groupes de manière très limitée et discriminatoire. Les préjugés implicites ne sont la faute de personne, mais il est de notre responsabilité de les changer. J'aimerais partager une énigme appelée « Le dilemme du chirurgien ». Un père et un fils sont victimes d'un horrible accident de voiture. Le père meurt. Le fils est emmené d'urgence aux urgences. Alors qu'il est sur le point de passer sous le scalpel, le chirurgien lui dit « Je ne peux pas l'opérer. C'est mon fils. » Comment pourriez-vous expliquer cela? La réponse est que le chirurgien est la mère du garçon. Si vous n'avez pas trouvé la réponse, vous n'êtes pas seul. Les chercheurs ont soumis l'énigme à deux groupes. 197 étudiants en psychologie et 103 enfants âgés de 7 à 17 ans aux États-Unis. Seuls 15% des enfants et 14% des étudiants ont trouvé la réponse, la maman et le chirurgien. Les préjugés sexistes sont omniprésents et peuvent être profondément ancrés. Ils font un effort délibéré pour les transformer. Le préjugé sexiste est une préférence ou une croyance selon laquelle un sexe est supérieur à un autre. Il se traduit par des attentes, des attitudes, un langage et un traitement inégaux. Les préjugés peuvent être conscients ou inconscients et se manifester de nombreuses façons, subtiles ou évidentes. Les préjugés sexistes sont le lot de toutes les raisons de notre conditionnement social. Il est important de devenir plus conscient de soi afin de pouvoir travailler à désapprendre et à surmonter nos préjugés. Regardons cette courte vidéo sur la façon dont les préjugés sexistes peuvent se manifester en classe, pourquoi ils sont importants et ce que vous pouvez faire en tant qu'enseignant. Gender inequality is a profound injustice. It keeps millions of women around the world in poverty. Women are one half of the world's population. Yet, we are often denied equal access to health, education and political and economic participation. It's first and foremost a rights issue, but gender inequality also significantly damages a country's economic development. What's that got to do with me? I'm just a teacher, not a politician. Teachers have enormous power to promote gender equity by modeling positive behavior in the classroom. Teachers often lose sight of the fact that if they have 40 students working in the classroom, they're working with 40 individuals. And each of those 40 is unique and special, with their own talents and with their own learning needs and with the potential to be successful and happy if permitted and helped to be so. However, instead of seeing diverse individuals, many teachers simply see 20 males and 20 females. And when teachers think of children only in terms of their gender, they start to make all sorts of assumptions about them, about what they like,
what they're good at, and even what they should end up doing when they leave school. I can promise you that neither me nor any of my colleagues ever go into a classroom intending to discriminate. So how does it happen? Maybe gender bias can be so deeply rooted within us that we don't even recognize it. She's right, you know. Come with me and let's see some of the ways in which teachers may unintentionally promote gender bias. Listen, teachers often assign tasks along gender lines. I need 4 strong boys to move the desks. Girls, sweep up the floor when the desks have been moved. Teachers also often ask questions in a way that makes an unnecessary distinction between the sexes. What do the boys think? Hmm? And what do the girls think? Why would you expect all the boys to have one answer and all the girls to have a different answer because of their gender? We are your students. You know us. We are individuals. Research shows that boys generally receive more questions than girls. Who can answer that one? Marco. Teachers often encourage students to believe that certain emotions are unacceptable for one gender. Stop that loud laughter. It's not ladylike. Okay, we get it. We get it. Now, how about giving us some advice to help us change our behavior? Encourage both genders to recognize that their adult lives will probably include work, parenting, and housework. Make sure your expectations are the same for all your students. Both boys and girls can succeed at math, science, language, art, and sport. Actively integrate groups of students by making sure boys and girls sit together in mixed groups. Remember, when you ask a question, boys are more likely to call out or raise their hands to volunteer answers. Girls tend to spend a few seconds thinking quietly to themselves. So after you ask a question, allow 3 to 5 seconds before calling on a student to answer. This means both boys and girls will be ready to answer. Being aware of our own gender bias and amending our behavior isn't easy. It needs us to embark on a process of reflection and change. Why not try working through our gender bias checklist, reflecting on its questions? You'll find it helpful. Never forget how much children learn from your example. By modeling gender equity, teachers can change the future of society into one that is fairer, more fulfilling, and more prosperous. Isn't that what we all want? What do you say, teachers? We can do it! You'll find plenty of lessons on gender in the Aflatoon training manual. We hope you enjoy that. Les inégalités de genre ont un impact négatif sur le développement économique d'un pays. Elles sont une profonde injustice qui maintient des millions de femmes en situation de pauvreté. Les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale, mais ont un accès limité aux services de santé, à l'éducation, à la participation politique et à l'économie. Les inégalités s'illustrent également dans le système éducatif. L'attitude des enseignants, la disposition des salles de classe, le matériel didactique et pédagogique, les infrastructures scolaires, etc. Une des façons d'y remédier est d'adopter une pédagogie qui combattrait les inégalités de genre en milieu scolaire et permettrait de prendre en compte les besoins spécifiques de chaque apprenante. Afin d'accroître votre sensibilisation aux préjugés sexistes, je vous invite à prendre les 15 prochaines minutes pour faire une auto-évaluation. Répondez instinctivement, rapidement, sans trop réfléchir et le plus honnêtement possible. Veuillez télécharger la liste suivante pour identifier les façons dont vous pouvez communiquer intentionnellement ou non des préjugés sexistes.
Dans l'encadré de droite, lisez chaque affirmation et cochez la case qui correspond à votre comportement. Soyez aussi honnête que possible, car cela vous permettra de mieux vous sensibiliser. Maintenant, comptez le nombre de coches dans chaque colonne et mettez les totaux en bas. Si vous avez coché fréquemment ou parfois l'une des affirmations, il se peut que vous fassiez preuve de préjugés sexistes en classe et ce sont des domaines sur lesquels vous pourriez travailler. Prenez un moment pour réfléchir à votre expérience et à vos résultats. Avez-vous été surpris par les résultats de votre auto-évaluation? Pourquoi ou pourquoi pas? Quelles mesures concrètes pouvez-vous prendre pour limiter vos préjugés sexistes en classe? Il est très important que les enseignants prennent conscience des croyances, attitudes ou stéréotypes sexistes qu'ils ont pu acquérir et qu'ils s'efforcent de les surmonter. Ils peuvent y parvenir par l'autoréflexion, la formation, la lecture, le soutien par les pairs, en s'exposant à des exemples et des histoires qui défient les préjugés sexistes. Quant au gouvernement ou ministère, il peut aider en mettant en œuvre des politiques nationales et sectorielles sur l'égalité de genre et ou la promotion de l'éducation des filles. À mesure que vous prenez conscience de vos propres préjugés, il peut être utile de refaire cette auto-évaluation après un semestre ou une année pour voir si vous avez progressé. Veuillez prendre 10 minutes pour examiner le langage sexiste suivant et réécrire la phrase en utilisant un langage sensible au genre. Voici quelques conseils pour utiliser un langage adapté au genre. Utilisez tous les pronoms pertinents. Par exemple, au lieu de dire « un élève réussira s'il travaille dur », vous pourriez dire « un élève réussira s'il ou elle travaille dur ». Utilisez le pluriel au lieu de singulier. Par exemple, les élèves réussiront s'il ou elle travaille dur. Reformulez une phrase à la voix passive, par exemple. Un travail acharné mènera au succès. Reformulez la phrase pour éviter d'utiliser le pronom défini. Par exemple, les apprenants qui travaillent dur réussiront. Créez un équilibre ou une neutralité de genre dans les étiquettes ou les titres. La salle de classe est un endroit idéal pour sensibiliser les apprenants à la façon dont les stéréotypes de genre sont perpétués par l'utilisation du langage, afin qu'ils puissent participer activement à la création d'une culture plus inclusive dans la classe et la communauté. Les stéréotypes et rôles de genre sont socialement construits et transmis par le langage que nous utilisons et les messages que nous recevons de sources telles que les médias, la culture et les livres, pour n'en citer que quelques-unes. Essayez l'activité suivante pour déconstruire quelques proverbes africains courants. Les proverbes sont de courtes déclarations souvent utilisées dans le monde entier, ou notamment dans la culture africaine, pour illustrer des idées et délivrer des messages d'inspiration, de consolation, de célébration et de conseil. Les proverbes utilisés sans un regard critique sur le genre peuvent renforcer les croyances négatives sur le genre. Veuillez prendre un moment pour analyser les proverbes affichés dans la diapositive en cochant les cases appropriées. Une fois que vous les aurez analysés, voyez si vous pouvez réécrire le proverbe ou en proposer un nouveau qui promouve l'égalité de genre.
Il y a de multiples façons d'adapter ces proverbes. Ceux-ci ne sont qu'un exemple. En feedback constructif s'intéresse à ce qui peut être amélioré plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas. Le langage utilisé par un enseignant peut guider un apprenant dans la direction qu'il doit prendre, l'aider à sentir que l'enseignant s'intéresse à son apprentissage et l'inciter à s'engager et à participer davantage à la classe. Le feedback constructif est un processus bidirectionnel impliquant l'enseignant et l'apprenant. Les enseignants doivent s'efforcer de créer un environnement dans lequel ils peuvent à la fois donner et recevoir un retour d'information avec les apprenants de manière positive et générative afin de s'assurer que l'apprentissage a bien lieu. Les enseignants doivent faire un effort délibéré pour fournir et encourager le retour d'informations avec tous les apprenants en établissant une relation et en communiquant d'une manière respectueuse et appropriée. Voici 4 conseils de base pour fournir un feedback efficace. Affirmer spécifiquement ce qu'ils ont bien fait. Corriger et diriger. Il est important de corriger leurs erreurs sans leur faire honte et de les diriger vers la bonne réponse. Vous pouvez fournir la bonne réponse, poser des questions stratégiques ou les guider pour qu'ils trouvent la réponse par eux-mêmes. Indiquez le processus. Guidez vos apprenants pour qu'ils identifient les étapes qu'ils doivent suivre pour obtenir un meilleur résultat. Entraînez les apprenants à réfléchir à leur propre effort. Les questions stratégiques peuvent aider les apprenants à évaluer et à orienter leurs propres yeux d'apprentissage. Elles les aident à s'approprier leur travail et à savoir comment l'améliorer. Ressources additionnelles. Dans le prochain module, le module 6, nous allons voir ensemble la planification de leçons sensibles au genre.